un jogging Céline, un parfum Louis Vuitton et beaucoup de clopes, le tout payé par Médecins du Monde. En février dernier, trois amis, la vingtaine, décident de faire du shopping Galerie Lafayette. Pourquoi pas ? Ils décident de faire chauffer la CB professionnelle de l'association Médecins du Monde. Les amis connaissent le code de la carte, ils enchaînent les achats jusqu'au premier paiement refusé. Rapidement, un vendeur comprend le problème et ils sont interpellés et placés en garde à vue. Sur une des deux filles, Inès, les policiers retrouvent 2200 euros en cash. Selon elle, c'est son père qui lui aurait donné pour payer des cours de son auto-école et un avocat qui devait lui donner des papiers d'identité. Sauf que, le matin des faits, 2000 euros avaient été retirés de la carte. Ballot ça. À part ça, ils reconnaissent les faits et se seraient fait fournir la carte par un certain IB qui leur aurait demandé d'acheter certains articles. Sans avocat, Sarah et Hassan ont demandé le renvoi de l'audience. Réponse, non. Le parquet a requis pour les deux filles 4 mois de prison avec sursis et Hassan, qui a déjà un casier, 18 mois, dont 8 fermes.